We're all living in America. America is wunderbar. We're all living in America. C'est de pire en pire. Salut à toi derrière ton écran, bienvenue dans Comic Zone, l'émission qui te parle comics et cinéma. Ouais, c'est bien ça, comics et cinéma. On s'en fout. Pardon? Tu dis quoi? On s'en fout, c'est qu'une phrase d'accroche. Ouais, c'est bien ça. Quel boulet. Aujourd'hui, on a l'âme patriotique, nos valeurs sont celles de justice et de liberté. Aujourd'hui, on parle de... 1940, la guerre fait rage, les nazis envahissent l'Europe, des gens sont parqués dans des camps de concentration, bref, c'est la merde. Sauf aux États-Unis. Pour eux, la guerre c'est loin et ils ne se sentent pas vraiment concernés. Faut dire que l'Europe c'est pas à côté et Pearl Harbor n'a pas encore eu lieu, donc la guerre hein. Joe Simon, auteur de comics, Jack Kirby, dessinateur, et Martin Goodman, propriétaire de Timely Comics, une petite société qui sera renommée Marvel plus tard, tous les trois juifs aimeraient sensibiliser le public à la situation européenne et lutter contre les dangers du nazisme. Ils souhaitent un support, un outil de propagande pour véhiculer leurs valeurs, leurs idées. Ils voulaient un personnage qui devienne un modèle, un peu comme Superman, chez la distinguée concurrence par exemple. Ils décidèrent donc de surfer sur la vague des héros patriotiques lancée en janvier 1940 par Archie Comics avec The Shield. Et paf! Et ça a fait des chocs à pic! Et ouais! Non! Captain America était né, il fait sa première apparition le 20 décembre 1940 en frappant Hitler au visage sur la couverture du Captain America Comics numéro 1. On peut dire qu'il frappe fort dès le début! D'une certaine manière, c'est pas faux. Tout d'abord, le personnage naît en partie avec une intention politique consciente, lutter contre le nazisme, servant également de porte-parole aux personnes qui étaient pour l'entrée en guerre des États-Unis. Mais ce fut également un succès commercial et populaire retentissant. Le premier épisode, contenant déjà Bucky Barnes, célèbre acolyte de Captain America, son Robin à lui, et leur némésis, Crâne Rouge, dépasse le million d'exemplaires en un mois, se plaçant juste derrière les deux mastodontes de l'époque, Superman et Shazam. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Lors de sa sortie, le bouclier de Cap était triangulaire, puis devint rond. Pourquoi ce changement? Eh ben, c'était tout simplement pour éviter un procès de la part des créateurs de The Shield, qui accusaient Simon et Kirby d'avoir plagié le bouclier de leur super-héros. Pour résoudre ce problème, Martin Goodman eut la simple idée de transformer le bouclier triangulaire en bouclier rond. Merci qui? On peut dire qu'il a arrondi les angles. Captain America raconte l'histoire d'un jeune Steve Rogers, étudiant en beaux-arts, auteur et dessinateur de bande dessinée. Tu le vois le parallèle? Steve Rogers veut absolument botter du cul nazi. Parce que les nazis, c'est le mal. Regarde Uli Hellboy si tu me crois pas. Mais l'armée, le jugeant trop faible, le réforme, à plusieurs reprises. Car il est du genre têtu, le Stevie. Finalement, sa détermination est remarquée et on lui propose de participer à un super projet top secret méga cool dont le but est de créer un super soldat grâce à un sérum spécial top secret. Bien sûr, ce dernier fonctionne, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et Steve devient donc un super soldat top délire méga cool avec des tas d'aptitudes comme... Endurance surdéveloppée, réflexe accru, agilité accrue, sens surdéveloppé. Mais au même moment, par un hasard hasardeux bien planifié, le professeur Erskine, créateur et seul détenteur de la formule permettant de produire le sérum, ce qui est normal vu qu'il participait à une opération top secrète méga cool, se fait abattre par un espion nazi pas cool du tout. Parce que les nazis c'est le mal. Regarde Uli Hellboy si tu me crois pas. Je me répète là, non? Suite à cela, Rogers s'est enrôlé dans l'armée pour participer en tant que Captain America. Bah, parce que... Manie plusieurs formes de combat, tacticien hors pair, vitesse de guérison accrue, résiste à toutes les maladies, mémoire surdéveloppée... Qu'il faudrait être con pour pas prendre un mec comme ça. Il se retrouve donc sur les champs de bataille avec son célèbre Bucky, croisant de temps en temps la route des autres vedettes de la maison Timely, en particulier Namor et la première Torche Humaine. Effectivement, Namor, la Torche Humaine, Cap et d'autres héros de chez Timely se sont croisés à deux occasions, formant ainsi rapidement la première équipe de super-héros de la Maison des Idées, le All Winners Squad. C'était après la fin de la guerre, en 1946, pour espérer relancer l'intérêt envers ces héros qui n'intéressaient plus personne. Cap eut un tel succès qu'il eut l'honneur d'être le premier super-héros de Marvel à être adapté en chair et en os à peine 4 ans après sa naissance, dans un serial de 15 épisodes produit par Republic Pictures. Un
Serial était un film à petit budget fonctionnant comme un feuilleton, diffusé avant un film à plus gros budget lors d'une séance au cinéma. En gros, c'est comme si on diffusait un épisode de la série Daredevil avant le film Avengers. Dans cet ancêtre de série télévisée, pas de soldats shootés aux anabolisants maison, pas de propagande. Non. Ici, l'acteur Dick Purcell incarne un Captain America qui ne s'appelle pas Steve Rogers, mais Grant Gardner, qui est procureur le jour et super-héros la nuit, qui ne combat pas les nazis, mais un ennemi mystérieux du nom de Scarabée, qui évolue dans une ambiance mélangeant le polar et l'exotisme, le tout sans son célèbre bouclier, sans Bucky, en moto et très loin des champs de bataille. Bref, ce cap n'a pas grand-chose à voir avec la figure iconique créée par Simon et Kirby. En fait, mis à part le costume et le nom, il a rien à voir. Si vous désirez découvrir cette réinterprétation du cap, suivez le lien. Petite anecdote, Captain America fut le dernier rôle interprété par Dick Purcell. En effet, le comédien décéda d'un arrêt cardiaque le 10 avril 1944, soit quelques semaines après la fin du tournage. Mais même cette tentative d'adaptation ne put sauver Cap de ce qui l'attendait, la fin de la guerre. Et oui, créé comme une figure de propagande nationaliste, le personnage très boy scout dans sa conception, avec ses idéaux, son sens du devoir, n'inspire plus grand monde maintenant que la guerre est terminée. Et donc il subit le même sort que la plupart des héros nés durant cette période, il disparaît. Dans les comics, on nous apprend que Cap et son fidèle compagnon Bucky disparurent vers la fin du conflit, lors d'une tentative de désamorçage d'un missile envoyé sur les États-Unis. Jusqu'au bout, Cap aura servi son pays. Il semble revenir dans les années 50 pour combattre le communisme, mais sans grand succès. Mais comment Captain America il a pu revenir dans les années 50 alors qu'il était un glaçon? Parce que l'histoire du missile fut inventée dans les années 60, pour justement expliquer l'absence du personnage jusqu'à cette date et lui donner une fin plus héroïque. Histoire de ne pas l'associer avec une période un peu, disons, raciste de l'histoire des comics. Du coup, ce n'est pas Steve Rogers, mais son remplaçant. Enfin, l'un de ses remplaçants, parce qu'il y a eu plusieurs hommes sous le masque. Le retour de Steve Rogers se fait en 1964, dans le quatrième numéro du comic The Avenger, ou Les Vengeurs chez nous les bons François, sous l'impulsion de Stan Lee, qui avait une certaine affection et nostalgie pour ce personnage. Alors qu'ils poursuivent en article l'ancien allié de Cap, Namor, devenu un ennemi, les Avengers, qui venaient de se former, trouvent et ranimèrent Steve Rogers. Ce dernier, bien que traumatisé par la disparition de tout ce qu'il connaissait, rejoint rapidement les Vengeurs, devenant ainsi leur première recrue et par la suite leur leader. Après avoir été un modèle à suivre, un exemple, un idéal à atteindre durant la guerre, Cap devint un mec paumé, en décalage avec son époque et n'ayant plus aucun repère. Donc il se raccroche à tout ce qui lui reste, ses valeurs. La vie de Cap se partage surtout entre ses missions pour le Shield et ses missions pour les Avengers, faisant de lui un simple héros de comics bien sous tout rapport. Même si en 1969, à l'initiative de Jim Collan et Stan Lee, Cap se dote d'un nouvel allié, le Faucon, union qui symbolisera l'Amérique blanche et l'Amérique noire combattant ensemble. Pour mémoire, à peine 2 ans plus tôt, le mariage mixte était encore interdit aux États-Unis. Jusqu'à l'arrivée de Steven Englehart. Tout d'abord, le monsieur va mener une véritable réflexion sur le rôle que doit occuper un héros patriotique, lui donnant une conscience politique en plein scandale du Watergate. Cap ne peut ignorer les malversations du gouvernement dont il est le représentant. Il démissionne donc de son poste et devient nomade. Et le costume de Cap sera porté par un autre, jusqu'au retour de Steve Rogers. Puis le monsieur va créer une cohérence entre le Cap des années 40 et celui qui est revenu, expliquant au passage pourquoi le personnage était présent dans les années 50. Alors qu'il était un glaçon. C'est à cette occasion que les différents successeurs à Steve Rogers ont été créés. On en compte 4 rien que pour la période des années 50. C'est en partie grâce à cet auteur que le Cap passe du statut de super patriote unidimensionnel à celui de garant des libertés. Bref, qu'il passe de nationaliste à humaniste. À de nombreuses reprises, Steve Rogers se rebellera contre le gouvernement américain, étant en désaccord total avec les politiques menées. Plutôt dissident pour un patriote nationaliste et porte-parole de l'Amérique, non ? On est bien loin d'American Dad quand même. Dernière rébellion en date, lors de l'histoire Civil War en 2006. En gros, le gouvernement en a marre que les super-héros cassent tout. Ils mettent donc en place une loi les obligeant à révéler leur identité auprès des autorités. Captain America prend parti en s'opposant à l'opinion et au gouvernement. Il refuse une loi obligeant les super-héros à être recensés et donc à devenir des agents de l'État. Contrairement à Tony Stark, qui est pour. Du coup, bagarre. Dès sa création, le personnage possédait tous les attributs du symbole. Faible orphelin idéaliste, devenu le plus grand soldat de l'histoire, il représente l'espoir, celui du succès et de l'accomplissement de soi. Il est animé par des idéaux de liberté, de tolérance et de justice, mis au service de son pays. Il représentait l'Amérique. Mais malgré le fait qu'il ait été conçu comme un outil de propagande, il n'est pas qu'un symbole d'accomplissement ou de patriotisme. Avec son retour, ce sont d'autres enjeux qui sont mis en avant, ou plutôt les mêmes, mais à l'excès. Captain America devient le protecteur des libertés au-delà des frontières.
guerre, il n'est plus un symbole naïf portant un costume aux couleurs criardes, mais un personnage remettant en question les actions de ce gouvernement qu'il défendait avec tant de hargne contre les nazis. C'est un héros possédant des valeurs morales universelles et qui lutte pour protéger les faibles et les innocents, quelle que soit leur nationalité ou religion. Captain America est devenu avec le temps une représentation de l'honneur et de la noblesse humaine. Comme dit un peu plus tôt, Captain America n'a pas eu qu'un seul homme sous le masque. Le plus connu, bien entendu, reste Steve Rogers, mais le costume du Cap a été porté par pas moins de 10 personnages, dont le célèbre Bucky Barnes. Le dernier en date d'ailleurs est Sam Wilson, le Faucon. Steve Rogers lui cède sa place car les effets du sérum s'estompent et qu'il ne peut plus assurer son rôle de Cap, même s'il reste présent en tant que conseiller technique et stratégique, démontrant bel et bien au passage que tant qu'il y aura quelqu'un pour porter le masque, Captain America vivra. C'est marrant de noter que les créateurs ont donné le physique de l'Aryen idéal à Steve Rogers. Blond aux yeux bleus, mâchoire carrée, allure impressionnante. Perso, je trouve ça ironique. Quelques conseils de lecture. Si tu désires découvrir Captain America en comics, je te conseille l'intégrale Captain America édité par Panini, disponible dans toutes les librairies, qui reprend non pas en 1941 à l'apparition du Cap, mais en 1964, lorsqu'il a rejoint les Avengers. Captain America, la légende vivante. Excellente histoire racontant les retrouvailles entre Captain America et Bucky Barnes, devenu depuis le soldat d'hiver. Excellent dessin et un run mené de main de maître par Ed Brubaker. Également Civil War, célèbre crossover mettant en opposition Captain America et Iron Man, et également source d'inspiration du futur Captain America 3, sous-titré Civil War. Le tome 1 se suffit à lui-même, mais si tu veux assister à un moment essentiel dans la vie de Steve Rogers, je te conseille fortement de faire un petit tour par le tome 3. Je te conseille également Ultimates, comics ayant inspiré les versions cinéma. Donnant un nouveau regard sur les paradoxes de ce personnage, ce qu'il perd en symbole, il le gagne en humain. Car oui, petite précision, contrairement à la majorité des héros Marvel, Steve Rogers n'a pas de défaut. Quelles que soient les circonstances, il fait toujours ce qui est juste et bon. Il n'a aucun défaut physique, il est poli, mentalement stable, bref, même sans le masque, il est un exemple. Il est moins le rapprochant plus des héros DC iconiques que Marvel, plus humain. Sauf dans la version Ultimates où là, c'est juste un vieux réac. Alors comme tu le sais, Captain America fut le premier super-héros de Marvel adapté sur les écrans. Une adaptation très loin des comics. Du coup, ils ont tenté de rattraper le coup. Nous sommes en 1979. Hulk et Spider-Man ont cartonné à la télé. On décide donc d'adapter également Captain America dans deux téléfilms. Et c'est horriblement kitsch. Entre le costume qui boudine l'acteur, le casque de moto, les cascades impressionnantes, le scénario infantile, l'histoire qui est à peine respectée, car oui, Steve Rogers n'est pas un soldat décongelé ici, hein, mais le fils d'un super-héros qui, suite à un accident de moto, prend le même sérum que son papa pour devenir lui-même un super-héros. Voilà. Le film a voulu surfer sur le succès des autres adaptations en utilisant finalement que le nom du héros, car on ne retrouve ni le contexte, ni ses ennemis, ni même ses alliés. Et je vais même pas parler du deuxième qui est exactement pareil, à une exception près, Christopher Lee. Oui, c'est Christopher Lee qui joue le méchant du second opus. Sûrement qu'il devait payer ses impôts, ou alors qu'il avait vu de la lumière. Ces deux téléfilms auraient dû lancer une série télévisée, mais ils n'en furent rien, bien heureusement. Puis Cap se fit oublier jusqu'en 1990. Suite au succès de Batman de Burton, il est partout ! La toute jeune société 20th Century Film Corporation décide elle aussi de produire son film de super-héros. On engage un réal un peu connu, mais pas trop, Albert Pune, le réalisateur de Cyborg avec Jean-Claude Van Damme, que je vous conseille pas. On prend le fils de J.D. Salinger, Matt Salinger, pour jouer le rôle du Cap. On reçoit l'aval de Stan Lee himself, et hop, c'est parti ! Contrairement à ses prédécesseurs, l'histoire est assez fidèle aux comics. On trouve Steve Rogers, devenu super soldat grâce à un sérum, qui lutte contre Red Skull. Qui dans cette version est un Italien, pas un Allemand. Cap se retrouve congelé après avoir détourné un missile. Dès sa première mission, tu parles d'un surhomme. Une expédition le retrouve dans les années 90, on le décongèle et il retrouve Red Skull. Qui n'a pas vieilli et s'est fait une chirurgie plastique. Et cette fidélité est peut-être le seul point positif car tout le reste du film est mauvais. Le costume est ridicule, même si pour le coup il est très fidèle, les acteurs surjouent ou pas du tout, le rythme est mou et le manque de budget se fait cruellement ressentir. Le film était censé envahir les salles à l'occasion du 50e anniversaire du personnage, mais finalement il n'aura le droit qu'à une édition vidéo en 1992. Et vous pouvez le retrouver actuellement en Blu-ray. À croire qu'une malédiction pesait sur ce personnage. Jusqu'à... Réalisé par Joe Johnston, avec au casting Chris Evans, un habitué des adaptations de comics, dans le rôle du Captain America, après l'avoir refusé trois fois quand même. Ellie Atwell, dans le rôle de Peggy Carter, la copine du Cap. Sebastian Stan, dans le rôle de Bucky Barnes. Hugo Weaving, dans le rôle de Red Skull. Mais également Dominic Cooper, Toby Jones et
Tommy Lee Jones. Alors que raconte ce Captain America First Avenger? Bah comme d'hab, enfin comme d'hab, quand on voit ce qui a été fait avant, c'est vrai que... Enfin bref, je digresse. Steve Rogers veut aller à la guerre, mais trop faible, il peut pas, Docteur le repère, sérum, hop, je suis méga musclé, Docteur tué, Cap devient symbole de propagande, puis sauve son pote Bucky, devient un atout militaire, se bat contre Red Skull et son organisation l'Hydra, à la fin Red Skull est battu, disparaît, tandis que Steve écrase volontairement un avion qui menaçait New York sans avoir pu pécho la jolie Peggy Carter. Il est congelé, retrouvé 70 ans plus tard, et hop, c'est la fin. Est-ce un bon film? Eh ben ouais. Ce film est enfin ce que méritait d'avoir le Cap. Pour la première fois, nous assistons à la naissance d'un héros, un vrai, dans le sens noble du terme. Là où avant on a eu un milliardaire arrogant, une expérience scientifique ratée, ou un dieu impétueux, nous avons droit ici à l'essence même de l'héroïsme. Pur, droit, voulant absolument servir son pays, Steve Rogers est une figure positive, naïve, mais positive. Donc il est assez important d'avoir un acteur capable d'incarner cela sans tomber dans la caricature. Et Chris Evans le rend tel qu'il devrait être. Touchant, bon, humble, courageux, timide, maladroit et terriblement attachant. Ellie Hatwell, quant à elle, incarne un rôle féminin qui a du punch, une place importante dans l'histoire, sans être une potiche. D'ailleurs, si vous accrochez avec ce personnage et l'ambiance d'après-guerre, une série lui est entièrement consacrée, Agent Carter, assez bien foutu. Crâne Rouge, quant à lui, est un méchant de comics à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il veut dominer le monde et est complètement fou. L'ambiance, un peu à la Indiana Jones, avec ses artefacts anciens, la mythologie, les nazis, référence dont ne s'est pas caché le réalisateur, passe progressivement à une ambiance de film de guerre, pour se terminer dans un délire rétro-futuriste. Le rythme est fluide et les deux heures passent comme une lettre à la poste. Par contre, l'on pourrait reprocher des scènes d'action un peu trop courtes, voire rapides. Pour un film se passant durant la Seconde Guerre mondiale, une bataille de grande envergure aurait été sympa. Autre gros défaut, à partir du moment où Steve a été transformé, le personnage est tellement super qu'on ne le sent pas réellement en danger ou poussé à bout. Il garde toujours son calme, kick du nazi comme une boule de bowling en verrait Valda Gedeki, bref, il est devenu intouchable, inarrêtable. Captain America est le film ayant le plus l'esprit comics, on se croirait littéralement propulsé dans une BD des années 40, avec ses qualités et ses défauts. Il s'avère être également un véritable film de guerre, à la sauce hollywoodienne, rythmé, inventif, trépidant, avec quelques touches d'humour. Ce film est un bel hommage à ce personnage et un excellent divertissement. Et pour l'adaptation? Rien à dire. Mis à part une petite entorse avec le personnage de Bucky qui ne connaissait pas Steve Rogers avant la guerre, c'est juste une réussite. Entre le costume ridicule rendu crédible, le travail fait sur la personnalité plutôt plate à la base de Steve Rogers, les hommages multiples rendus à la bande dessinée, comme par exemple le fait qu'il utilise la première fois un bouclier triangulaire, ou qu'on l'utilise comme un outil de propagande comme dans la réalité, ou encore la scène montrant les diverses missions du Cap à la chaîne rappelant les histoires de comics éditées durant les années 40. C'est tout simplement une réussite. Bref, l'un des meilleurs films Marvel fait à ce jour. J'ai oublié de le préciser, mais Captain America fait partie de la phase 1 des films Marvel. Phase 1 qui comprend donc Iron Man 1 et 2, Hulk, Thor, Cap donc, et The Avenger qui conclut cette phase. Cap réapparaît non pas dans la suite directe du film, mais dans l'orgasme cinématographique de geek qu'est Avengers. Je ne vais pas aller dans le détail car je me réserve cela pour une future émission sur cette équipe. Mais nous retrouvons donc Steve Rogers à notre époque et complètement paumé. Complètement, pas tout à fait en fait. Et c'est ça que je reproche au film. Cap était loin d'être l'un de mes persos préférés car justement je le trouvais trop plat. Et même s'il reste le gentil boy scout prêt à aider tout le monde, je m'enthousiasmais déjà d'avance pour la suite de son histoire. Comment allait-il réagir face à ce nouveau monde qu'il ne connaît pas? Allait-on voir ce personnage si positif tomber dans la dépression quand il allait découvrir que tous ceux qu'il avait connus sont morts? Eh ben, d'Avenger, on s'en fout un peu. Même si certains clins d'œil, comme le fait de le faire intervenir pour la première fois en Allemagne, sont sympas, on s'attarde très peu à la psychologie du personnage, et c'est normal vu le nombre de protagonistes. On a bien droit à quelques scènes, ici et là, rappelant qu'il est un homme hors du temps, mais ça reste toujours en surface. Même si l'on peut comprendre que le personnage n'a pas le temps de déprimer sur son sort quand on voit dans quoi il est embarqué. Globalement, encore une fois, très bien interprété par Evans, le personnage se cantonne à l'archétype qu'il représente, un héros sans faille et un leader né. Du coup, j'avais énormément d'attentes pour sa suite en solo qui est arrivée lors de la phase 2 de Marvel. Captain America The Winter Soldier, sorti en 2014, réalisé par Joe et Anthony Russo, avec au casting la très charmante Scarlett Johansson dans le rôle de la Veuve Noire, qui a été introduit dans Iron Man 2, Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, introduit dans Iron Man, Anthony Mackie dans le rôle du Faucon, Sebastian Stan reprenant son rôle de Bucky Barnes, Robert Redford et bien évidemment Chris Evans dans le rôle titre. Suite aux événements d'Avengers, on retrouve Cap. Et Cap, bah, il a un peu du mal à s'adapter. L'ennemi d'aujourd'hui, il est plus pareil qu'avant, et il est plus aussi clair qu'avant aussi. Il ne sait pas si ce qu'il fait, c'est bon et juste. Bref, il ne sait plus où est-ce qu'il en est avec son boulot. Oui, car sa vie privée, bah, en fait, il n'en a pas. Et ça n'a pas l'air de le toucher plus que ça.
Donc le cap, il doute, tout ça. Lorsqu'une tentative d'assassinat sur Nick Fury par un homme mystérieux appelé le Soldat d'Hiver, et le fait que Cap se fasse traquer par l'organisation pour laquelle il bossait, l'oblige à mettre de côté toutes ses questions intérieures. Alors, j'ai beaucoup aimé. L'histoire est prenante et bien menée, mêlant complot, espionnage, trahison, fantômes du passé, même si parfois elle se perd dans quelques ficelles un peu tirées par les cheveux. On passe d'un film de guerre à un thriller politique, faisant perdre ce côté un peu trop patriotique au personnage, obligatoire vu l'ambiance du premier film, et rappelant plus le capitaine traité par Steven Englehart ou encore Ed Brubaker, en faisant de lui une critique de la politique de son propre gouvernement. L'action est généreuse, variée, menant à un final de grande ampleur. Captain America, le Soldat d'Hiver, peut être largement catégorisé dans les suites qui surpassent le premier volet. Toutefois, j'ai quelques reproche à lui faire. Pourquoi avoir choisi cet ennemi ? Sérieusement, ils auraient pas pu juste se focaliser sur Robert Redford, hein ? Une simple histoire de complot politique, c'était pas assez fort ? C'était peut-être un peu trop sérieux pour Marvel. Perso, le coup de l'ancien groupuscule nazi... Ridicule, mais alors ridicule ! Autre gros défaut, même s'il est fait quelques allusions ici et là, par des dialogues, par des séquences, on ne ressent pas assez le fait que Cap est en décalage avec son époque. J'aurais aimé le voir découvrir MTV, YouTube et ses vidéos de chatons, Kim Kardashian... Paris Hilton, Lindsay Lohan, Justin Bieber et plein d'autres trucs. Alors qu'il ne le fasse pas sur Avengers, ok. Mais qu'il ne le fasse pas sur le film portant son propre nom et se situant à notre époque, dommage. Autre gros défaut, le titre. Personnellement, j'aurais appelé le film Captain America, The Shield, quelque chose. Parce que finalement, le film n'est pas réellement centré sur l'histoire entre le Soldat d'Hiver et le Cap. C'est plutôt une histoire secondaire même. Et c'est réellement dommage, car là, on a un personnage badass, charismatique, intéressant, et qui raccrochait Cap avec son passé d'une manière bien moins cliché et ridicule que le réel ennemi du film. Mais le film reste de très bonne facture, nous faisant passer un agréable moment. Bref, Marvel a enfin pu rendre honneur à ce personnage. Sérieux, qui trouvait Captain America cool avant ? Tu parles pas de son intervention dans Avengers 2 ? Non. Pourquoi ? Bah parce que j'avais pas le film sous la main pour cette émission. Mais t'es qu'une merde ! Waouh ! De tous les héros Marvel, Captain America est le plus altruiste. Il s'est porté volontaire pour devenir un surhomme et entend bien s'en servir pour protéger la veuve et l'orphelin. Par ses qualités de meneur d'hommes et de stratège, il mérite amplement son titre de capitaine. Il a beaucoup plus le sens de l'honneur que le sens de l'humour, ce qui engendre quelques frictions avec le facétieux Tony Stark. Créé durant l'âge d'or des comics comme un outil de propagande, puis utilisé pour critiquer ce même gouvernement qu'il défendait avec ferveur, protecteur des innocents et des libertés, Captain America est un symbole. Un symbole qui dépasse les frontières et les nationalités, quasi inaltérable, immédiatement reconnaissable, il n'abandonne jamais et ne se décourage jamais. Il est un modèle et représente ce que tout être humain devrait aspirer à être. Un modèle de justice, de droiture et de liberté. Captain America, c'est l'Amérique. Non. Captain America, c'est le monde tel qu'il devrait être. Un monde juste et bon, un monde qui se préoccupe du bien-être de son prochain et fera tout pour l'aider. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce personnage. C'est tout ? En fait, non, mais je peux pas faire un documentaire de 2 heures, donc j'ai dû compresser. Tant mieux, j'ai un jeu à finir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. À laisser un commentaire, un pouce bleu, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à nous rejoindre sur la page Facebook. Et si c'est pas le cas, bah... Désolé. Voilà, sur ce, bonne lecture, bon film, et à la prochaine! C'est un niveau. Il est pire en pire.